Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droit à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre de l'harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. D'accord. Bonjour, je m'appelle Ossine Ben. Je suis auteur, slameur, comédien, dramaturge. Et récemment, je me suis lancé en politique. On a monté une liste dans ma ville, à Aubervilliers, qui s'appelle 100% Aubervilliers. Et au municipal, là, on a fait 7% en deux semaines de campagne à 7 copains et copines. Et on a retourné la ville. Voilà. Christine, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire. Je pense qu'on est loin d'être sorti de ce climat, pour moi, qui est encore lié à la décolonisation. On est encore dans les mêmes schémas. Donc d'un côté, on a un complexe d'infériorité. Et d'autre côté, en face, on a un complexe de supériorité. Et on est toujours dans ces schémas-là. Et je l'ai encore vu récemment en m'engageant en politique, où présenter une liste indépendante en dehors de tous les partis a été perçu comme une attaque directe au parti, alors que nous, c'était pas le cas. Nous, c'était juste vraiment une liste citoyenne où on s'était dit que fallait sortir de ces schémas-là et de proposer autre chose à la ville. Et en fait, on ne nous a pas accordé ce droit, cette liberté de penser. Je pense que pour beaucoup, s'engager en politique, c'est toujours avec la caution des grands partis, donc toujours jouer l'arabe et le noir de service. Et en dehors de ça, on nous a très peu laissé le droit d'exister. Et ça a été extrêmement violent. Ça a été très très violent cette campagne. Et je sais que ça vient beaucoup de ça, de cette idée d'indépendance. Et moi, je m'inscris totalement dans une lignée de penseurs africains, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais des gens comme France Fanon, Messaliadj en Algérie, Aimé Césaire, qui ont très vite compris qu'il fallait s'émanciper des grands partis pour pouvoir réellement exister et vraiment être libre et indépendant. Donc sans rage, sans colère, on est parti de ce constat-là et on s'est dit voilà, on va sortir de cette idée d'être juste un faire-valoir sur une affiche. On va essayer de penser par nous-mêmes, et ça a été perçu comme une attaque directe. Et donc il nous a fallu encore ça pour se rendre compte qu'il y a vraiment encore du chemin à faire et que c'est encore lié à une histoire de racisme institutionnel, de racisme philosophique et voilà, toujours cette idée d'indépendance qu'on ne veut pas nous accorder. Voilà. Concernant ce collectif, le dossier est en cours maintenant depuis 2008, donc ça fait 6 ans maintenant que la vie de certaines de ces victimes est mise en suspens. Ils n'ont aucun projet d'avenir parce que pour certaines personnes, elles touchent 473 € par mois. Il y a malgré ça un rapport accablant du défenseur des droits. Des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail. Il y a eu des décisions prud'homales définitives, mais ces victimes n'ont pas aujourd'hui accès à la justice pénale. Trouvez-vous ça normal ? Ben non, c'est anormal. Pour moi, c'est un peu comme les gamins qui se font tirer dessus ou qui se font renverser par une bagnole de police. J'arrive toujours pas à comprendre cet état d'esprit. Nous, qui avons grandi dans les quartiers populaires, moi je suis le premier à dire, et je suis sûr que tu seras d'accord, qu'il y a des petits cons dans nos quartiers. Il y a des vrais petits cons. On le sait, on l'admet. En face, on dirait que personne ne va admettre qu'il y a des petits cons aussi dans la police, dans les institutions, etc. Tant que ce rapport-là ne changera pas, c'est-à-dire qu'ils sont toujours couverts, on a l'impression qu'ils ne veulent pas reconnaître la responsabilité de certains. Et je pense que tant qu'on sera dans ce rapport-là, on n'en sortira pas. Je pense qu'il faut juste qu'ils admettent en face qu'il y a des gens qui se comportent mal. Et il faut que ça soit jugé, ça soit condamné fermement, de la même manière que nous on le condamne. Nous on est les premiers à condamner, à dire qu'il y a des vrais petits cons chez nous. C'est pas une majorité évidemment. Et comme en face, c'est pas une majorité. Je suis sûr que une grande majorité des flics en France font bien leur travail et qu'il y a une minorité qui le fait très mal, et notamment dans nos quartiers populaires. Et ça, faut le remettre en question et faut l'admettre, c'est tout. Et on avancera dans le bon sens. N'avez-vous pas aujourd'hui l'impression qu'il existe une hiérarchisation des discriminations ? On a l'impression que certaines sont plus graves que d'autres et que certaines sont combattues par le gouvernement d'une manière plus virulente et d'une manière beaucoup plus assidue que d'autres combats discriminatoires. Moi, je reste persuadé qu'on est encore colonisé dans nos esprits et qu'on est encore sur le même schéma, qui est encore toujours une condescendance, que ce que les uns feront sera toujours condamné différemment par les autres, et que tant qu'on aura ce regard-là, on n'en sortira pas. Il faut vraiment sortir de ces schémas, et sinon on n'avancera pas. Il y a encore une hiérarchisation évidemment
des actes. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ça, on s'en sortira pas. Et selon vous, quels sont donc les moyens à mettre en œuvre pour sortir justement de ces cas de discrimination, de racisme et de faire changer les mentalités et de renforcer aussi la protection des citoyens face à ces cas de discrimination et racisme? Je pense qu'il ne faut pas rester sur le côté et critiquer le système. Je pense qu'il faut rentrer dedans, s'engager en politique, s'engager dans chacun dans nos domaines et gravir les échelons et pas rester toujours en bas dans la condescendance de ceux qui sont au-dessus, et de vraiment s'engager et être dans des postes et des situations de pouvoir décider et pas de subir. Voilà. Tant qu'on sera en bas de l'échelle, et ben on subira tout le temps. Je pense qu'il faut vraiment s'engager et aller loin avec nos différences et prouver qu'on peut avoir un avis sur les choses, un avis sur l'environnement, un avis sur le travail. Et il n'y a que ça qui peut changer. Tant qu'on restera sur le côté, on n'avancera pas. L'association organise quelquefois des mobilisations citoyennes afin de venir en secours à ces victimes, afin aussi de faire gonfler cette solidarité pour que la violence recule. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur votre soutien physique et moral pour de futures mobilisations citoyennes? Il y a la caméra, je vais dire oui. Évidemment, bien sûr, moi, tant que je suis disponible, je suis de tous les combats, évidemment. Ouais, absolument. Pour moi, l'engagement, il se limite pas à un engagement personnel. Moi, je connais des gens, des artistes, par exemple, comme moi, qui sont militants dans leur domaine. Moi, je me dis, soit on est militant à 100%, soit on l'est pas. Donc, on peut pas se résumer à une cause, à un soutien. Je pense qu'il faut être présent sur tous les combats. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre soutien, ce témoignage, et à très bientôt. Merci beaucoup à vous, et bon courage. Lâchez pas l'affaire. Merci.